à l'enfer car vous l'avez. Je voudrais commencer ce discours pour dire d'abord ceci. Vous savez que ça fait 6 ans que vous ne m'avez pas vu en train de manifester à Conakry. 6 ans. Aujourd'hui, je suis sorti parce qu'il s'agit de notre avenir. Je suis sorti parce qu'il s'agit de l'avenir de la Guinée. Nous avons confié la responsabilité de ce front à des jeunes gens qui sont devenus aujourd'hui des prisonniers politiques. Que ce soit Sano, que ce soit Koundoulo, que ce soit Kamano, que ce soit Guildesa, que ce soit qui encore. Et tous ces gens, j'allais citer Mandela, parce que vous savez, écoutez-moi bien, nous avons affaire à un régime marionnette. Attendez, pour faire croire que les gens sortent ici et qu'ils ne sortent pas par là, à partir de samedi, tous les responsables de la jeunesse de l'UFR, de Makoto, Matam et Kaloum ont été interpellés. Tous. Mais ça n'a pas empêché les gens de sortir le lundi. Ce qui est en cause, c'est votre avenir. Ce qui est en cause, c'est l'indépendance de ce pays. Ce qui est en cause, c'est la volonté de mettre en place une présidence à vie. Pour Moukine Manara, à Moulanfé. Alors je dirais, continuez à être mobilisé. Depuis 2001, je marche en Guinée. Ce que j'ai vu aujourd'hui, nous n'avons jamais fait ça. Parce que tout le monde s'est senti concerné. Ce n'était pas les partis politiques. Merci beaucoup.